aujourd'hui à la Cyberbase, en fait, on fait un tournoi de jeux vidéo sur FIFA 2014. Donc, c'est un tournoi où on reprend, en fait, on va dire, la Coupe du Monde, mais en version virtuelle, quoi. Donc, on organise ça. Il y a eu 3 dates. Donc, là, aujourd'hui, c'est la dernière date. Mais il y a eu une date fin juin et début juillet. Donc, là, on a la dernière date le 11 juillet. Donc, le but, c'est vraiment de faire un petit tournoi un peu comme chez nous. Donc, on a ouvert les inscriptions au mois de juin. Et donc, on a vraiment pas mal de personnes qui sont inscrites, tout âge. Bon, là, c'est les grandes vacances, donc il y a pas mal d'enfants et de personnes sur vacances, tout simplement. Et donc, voilà, donc c'est un jeu de foot. Donc, le but, c'est, voilà, sur on va dire, le spectacle avant tout. Vous pouvez voir que il y a quand même pas mal de commentateurs et de cris, ce genre de choses. Voilà. Il y a 16 personnes qui sont inscrites. Hein. Nous, on a fait des huitièmes de finale. Donc, c'est des matchs à élimination directe. C'est sur 4 minutes. Partant de là, il y a des personnes qui vont se qualifier ou non. Il y a les prolongations, voire le tir au but si jamais il n'y a pas de différence. Et puis après, ben, les gens vont se qualifier jusqu'à la finale, où là, généralement, on a une durée qui est un peu plus longue, hein, pour un petit peu le spectacle, et ainsi de suite. Donc voilà à peu près comment ça se passe au niveau de l'organisation. Au niveau de l'ambiance, ça s'est très bien passé. On a eu pas mal de retours. Et puis ça va crescendo, hein, la première partie. Bon, il y a eu un peu de monde. Et puis la deuxième, ça s'est assez popularisé, le bouche à oreille, ainsi de suite. Puis là, bah, vous voyez, ils sont tous bien en train d'analyser les concurrents pour pouvoir les affronter un peu plus tard. Donc c'est quand même assez sympathique au niveau bah, de l'ambiance, quoi. Hein. Il y a des prix à gagner en fait. Alors c'est les 4 premiers. Donc il y a bien sûr la finale et la petite finale, le troisième et quatrième qui gagnent des lots. Donc il y a le plus gros lot, c'est un bon d'achat de 70 € pour un de nos partenaires pour acheter un jeu vidéo ou autre. Et puis après on a des goodies, de la bulle et autres de nos partenaires, hein, des stylos, des ballons, des maillots de foot, enfin voilà, des petites choses comme ça à gagner. Merci.